spinéo permet de gérer le passage de la phase concentrique à la phase excentrique et vice-versa en trois modalités différentes. 1. Sur un point spécifique. 2. Quand on parvient à une vitesse donnée. 3. Par déplacement. Dans la première modalité, quand on parvient au point P2, Kinéo va passer à la phase excentrique avec une rampe de raccordement. Même chose phase concentrique sur le point P1. Attention, le changement aura lieu indépendamment de la direction du mouvement après les points fixés. Dans la deuxième modalité, en ralentissant au-dessous d'une vitesse donnée, Kinéo va passer d'une phase à l'autre en n'importe quel point du déplacement. Dans la troisième modalité, chaque fois que le sujet inversera le mouvement d'une valeur donnée, Kinéo va passer d'une phase à l'autre dans n'importe quel point du déplacement. Les modalités liées à la vitesse ou au déplacement peuvent être insérées de façon différenciée selon les deux charges réglées. La charge de la phase excentrique est supérieure à la charge de la phase concentrique ou la charge de la phase concentrique est supérieure à la charge de la phase excentrique. Il sera même possible de différencier la modalité selon le passage de la phase concentrique à excentrique ou vice-versa. Il sera possible de modifier la valeur par défaut de chaque paramètre de cet exercice dans le menu de réglage de l'exercice ou dans le menu de modification des paramètres personnels de l'utilisateur pour l'exercice. Dans le premier cas, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'aux nouveaux utilisateurs qui seront créés après la modification. Dans le second, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'à l'utilisateur sélectionné.